Salut Wag, je suis Jesse Durimel, je suis coiffeur barbier sur Paris et je suis à la tête du salon Jess Barbershop. Alors, dans les grandes lignes, j'ai commencé la coiffure à l'âge de 15 ans à la Martinique. J'ai évolué rapidement dans les salons, puis je suis parti en 2010 sur Paris. Et depuis, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes et développé une grosse clientèle, telle que Puff Daddy, telle que Rick Ross, Kalash, Booba, Maître Gims et David Guetta et bien d'autres, jusqu'à l'ouverture de mon salon en 2018. Alors le salon, il est mixte. Personnellement, je coiffe autant d'hommes que de femmes, je coiffe aussi des enfants. Pour ce qui est des femmes me concernant, je m'occupe surtout des femmes qui ont des cheveux courts ou qui ont des cheveux longs et qui veulent passer au cours, ce que j'appelle les transformations. C'est d'ailleurs une très grosse tendance dans le salon et presque un produit phare. Je pense aujourd'hui, ce qui nous distingue, c'est la façon de faire. On travaille sans catalogue. Chaque client va demander clairement ce qu'il aimerait avoir compte tenu de ses cheveux, de petits défauts qu'il pourrait avoir, de l'idée qu'il a de l'esthétique par rapport à sa personne. Donc l'idée est clairement de créer une coupe singulière, propre à chacun. J'aimerais bien coiffer Barack Obama, par exemple. Je pense que ça, ce serait vraiment symbolique. Donc moi, je leur dirais clairement, foncez les gars. J'ai commencé ici, j'avais 15 ans, je coiffais mes voisins. Aujourd'hui, voilà, je suis arrivé à un stade où je coiffe des artistes, où mon travail est reconnu. Et je considère que c'est ce que j'ai appris en Martinique qui a été reconnu ailleurs.